3000 personnes dans la fan zone au début du match, 4500 au coup de sifflet final. Les supporters rochelais qui n'ont pas pu faire le déplacement à Bordeaux ont tenu à vivre ensemble ce qui est devenu le dernier match de la saison du Stade Rochelais. Qu'on gagne, qu'on perde, on est content d'arriver en demi-finale par rapport à la saison qu'on a fait. On est heureux quand même. Après l'essai des Toulousains, le public se libère un peu grâce à la première pénalité obtenue par les Rochelais qui ouvre le compteur à points. On tremble ensuite quand Toulouse aplatit une deuxième fois derrière la ligne d'en but. L'essai refusé soulage tout le monde. On a eu chaud, ouais, très chaud. Mais c'est bon, il faut qu'on serre le jeu et qu'on ne donne pas de ballon. Un score de 7 à 6 à la mi-temps, les supporters sont toujours confiants. On a tremblé, mais pour l'instant on tient. Tout le monde nous voyait perdant et pour l'instant on tient un bon match. Rien n'est fini, rien n'est joué encore. Faut y aller, tranquille, tranquille. Mais en deuxième mi-temps, les visages sont tendus. La nuit tombe sur La Rochelle et avec elle, les espoirs de victoire. Coup de massue avec le troisième essai de Toulouse. C'est écrasé. Depuis le début de la saison, on s'est écrasé, ils sont pas dans le mouvement. Pas de rebondissement malheureusement en fin de match. Les drapeaux jaunes et noirs sont en berne. La soirée s'achève plus calmement que prévu. Après avoir changé d'entraîneur, etc., c'est bien. On est content, nous. On est confiants pour l'année prochaine. Belle équipe. Ah ouais. Je sais que l'année prochaine, on peut prendre déjà nos tickets pour Nice, on ira. Nice, dont ce sera le tour l'an prochain d'accueillir les demi-finales du top 14. Les supporters sont sûrs que leur équipe sera au rendez-vous. Et cette fois, ils y croient, ce sera la bonne.